Et donc salut tout le monde, c'est Dazer. Oh putain, ma manette elle est... Ah, elle fait un effet bizarre quand je fais marcher. Aïe merde. Bon, on s'en fout. Donc salut à tous, c'est Dazer. Et on se retrouve pour... Ah fuck. Voilà, pour une nouvelle vidéo d'Hype Escape 2. Ce coup-ci pour la pyramide de la frousse. Donc apprêtez-vous à avoir peur. Et le son du jeu me nique les oreilles, mais à part ça, ça va. Donc déjà on voit les magnifiques sculptures de singes qui font encore plus peur que le niveau en lui-même, ça je peux vous le dire. C'est parti. Donc d'entrée un singe, c'est bien, c'est donné ça, c'est cool. Oh, attendez, maintenant c'est pas assez fort. Bon là on va laisser comme ça, faut. Alors là j'ai plusieurs chemins en fait qui s'ouvrent à moi. Donc soit l'entrée de la pyramide là-bas là, soit je vais là carrément dans le truc. Bon, non, je vais plutôt d'abord récupérer les singes du coin. Car oui, il y a des singes dans le coin. Intéressant, n'est-ce pas? Je pousse un bloc. C'est incroyablement intéressant. J'utilise toutes les possibilités du jeu en un mouvement. Donc bon, on va pas non plus aller chercher trop loin. Alors, je monte les structures, si vous voyez ce que je veux dire. Normalement il y a un singe dans le coin, bah tiens qu'est-ce que... Aïe, ok. Bon, un singe avec un flingue, c'est logique en même temps. Aussi logique que la musique est bizarre, oh là. Bon, il a un flingue et en plus des bombes, c'est cool. Oh putain, oh sa mère, ne tombe pas. Oh, il est pas tombé. Pas bouger, voilà. Donc bon, maintenant on va entrer bah, par l'entrée principale, tiens, ce serait une bonne idée. Ouais, c'est cool. Alors par contre, il me semble que... Voilà, on peut pas aller remonter ce truc. Donc, le blème, c'est que j'ai jamais trouvé comment récupérer la pièce qui était à droite. Excepté peut-être quand on arrive d'en haut de sauter à droite, là, mais voilà, quoi. Je trouve que c'est pas vraiment une bonne idée, donc bon... Alors hein, voilà, quoi, juste... Alors là, c'est un gros piège à con. On se dit, bon, je vais y aller, je vais capturer, et puis basta. Et ben non, parce qu'en fait, ce qu'on sait pas dans cette salle, c'est que... Bon, je vais vous le montrer... Voilà, les dalles peuvent tomber. Et le truc, c'est que ce singe, il se trouve juste devant une dalle qui tombe. Donc bon, comme je suis un PGM, ce que je vais faire, c'est que je vais l'attraper. Et ensuite, bah, éviter de tomber, hein. C'est tout con. Mais forcément, dans les dalles, il y a des pics, hein, comme vous pouvez le voir. Ah là là, ça ferait très mal si on tombait. Oh, merde. Je voulais me rattraper de l'autre côté pour faire genre, ah, je suis un PGM. En fait, je me suis raté comme une merde. Bon, pas grave. Oh non. Mais le trou, il était devant moi. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas comme dans Hype Escape 3. Donc voilà. N'empêche que injustice, quoi. Le trou, il était devant moi, c'est pas ma faute. J'ai pas vu. Alors, me semble que là... Bah déjà, y'a un singe, c'est cool, ça. Chopin, me choper. Mais bah non, mais elle est trop space, cette fois. Alors, me semble qu'il faut aller dans l'eau pour activer un truc, et ensuite pour revenir. Bon, les pièges dans l'eau qui servent à que dalle, hein, le truc en haut et en bas là. Genre, tu sais, on se les prend, faut vraiment être nul. Parce que je me suis jamais pris perso, hein. Pourtant, ce jeu, je me suis fait un nombre incalculable à deux fois et voilà quoi. Me semble que ça. Ok, non, on peut pas encore. Ou alors, on peut pas, tout simplement. Donc voilà, là, les trucs activés, on doit se brouiller de revenir en arrière. Dépêche-toi, ami des fèves! Oh putain, j'avais oublié ça. Finalement, je sais pas si j'y arriverai à temps. Voilà, maintenant faut se grouiller. Quoi? Voilà. Ouais, je bloque le chemin comme ça, personne ne reviendra. C'est con, mais je m'en fous. Oh non, j'avais oublié ça. Faut une nage en beauté là. Bref, ça aurait pu être pire. Bon, tu te remets, voilà. C'est exactement ce qu'il me fallait. Vas-y, monte, mais qu'est-ce que tu me fais là? Je suis pas un pancake. Oh non, ça recommence à tomber. Voilà, je vais me passer. Il y a ma manette qui est en train de me chier un fil là. Oui, me chier un fil, ça se dit. Par
là il y a un truc, ouais, non, il y a rien. Te rate pas, merci. Je tiens la vie. Ah merde, est-ce que par contre de l'autre côté il y avait un truc? Non, il y avait rien apparemment. Apparemment, je dis bien. Je suis sûr qu'il y avait un truc ici dans mes souvenirs. Attendez, faut que je vérifie un truc là. Ah non, c'est bon, ok. Merde. Voilà. Ah non, en fait j'avais un petit trou de mémoire là, je me souviens plus s'il y avait des singes dans le coin ou pas. Parce qu'il me semble qu'il y avait un mur qui était pétable, mais en fait non, on peut pas. Ou alors c'est à la fin du jeu, je sais plus. Ah putain, il y a un singe là-bas. On peut pas encore récupérer le singe qui est là-bas, donc ce sera pour plus tard. Mais pour le moment, on va se faire que le contourner. Bon, un singe boxeur, ce qui est logique, j'ai envie de dire. Si, genre, je me suis touché comme ça. Mince! Aïe! Mais pourquoi je dis aïe, moi? J'ai même pas mal. Mais je sais ce qu'il faut. Faut la voiture, boulet. Putain, mais lâche-moi, gros connard! Oh, mais arrête de le rater! Attendez, je reprends des vies, comme ça, c'est réglé. Mais je... Mais arrête de taper à côté, putain. Aïe, mais j'ai pas... Oh là là. J'ai fait nawak là, mais arrête de courir. Enfin, voilà quoi, le singe. Oui, oui, attrape-le, attrape-le, mais... Ah, voilà. Eric. Dis-moi, Eric, il est où, Ramsey? Aïe. Oh, mais pourquoi je dis aïe? J'ai même pas mal. Bon, alors, faut se brouiller parce qu'il faut pas que la voiture passe quand il y a du feu. Bon, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait, ne pas passer quand il y avait du feu. Ne tombe pas. Oh putain. Mais merci Bipotier, allez, au revoir. De toute façon, il me semble que dès que je change de salle, il est avec moi directement. Mais je réfugie juste qu'il n'y ait pas de singe dedans. Ouais. Ok, encore une salle avec des sols qui peuvent tomber. Bon là, il y a deux singes pour le prix d'un, c'est bien. Chopper. Le bruit des pigeons ananas. Ah voilà, je crois que c'est ici qu'il y avait un truc. Ouais, c'est là. Oh mais fuck. Alors, ah ok, je peux pas faire. On va essayer de passer quand même, parce que nous on est pas les... Ah ok. Bon, finalement il veut pas, hein, donc c'est mort pour le moment. Oh non, oh non, non. Oh merde. Mais merde. T'es pas sérieux là! Oh là là! Mais... Bon! Je suis dessus, c'est le principal! Ouais, du moment que je suis dessus, après... Oula, bizarre. Voilà, ville pervers! T'es tout rouge! Comme le feu. Allez, tape-le, vas-y, tape pas. Bon. Ah, non, mais quand même. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, alors? Alors là, il me semble qu'il y a un singe. Ok, donc c'est là. Ah, putain, mais ça... Bon. En ce cas, ça sera là. Voilà. Non, non, non. Ce rayon qui rend amoureux. En tout cas, pas de lui, j'assure, hein. Parce que, bon, voilà, un singe déguisé en pharaon. Merci, mais non, merci. Aïe. Non, non, mais... Oh, c'est hallucinant. Pourquoi est-ce que je dis aïe dès que le héros se prend un coup? Il faut absolument que j'arrête ça, là. Ah,
Tu vois comme je kiffe tuer les corbeaux là, enfin, les hiboux, pas les corbeaux, pardon. Ah si, viens là. Putain, ils sont encore pires que les singes. Je vais juste voir le dernier au cas où. Ok, c'était un corbeau. Enfin, hibou, pardon. Putain, je vais jamais rêver, moi. Ah merde. Oh, je me suis fait pound. Bon, c'est pas grave, on est en état de vivre. Ouais, génial. Donc bon, la deuxième entrée maintenant c'est par là. Donc voilà, moi je vous conseille de prendre la première entrée parce que voilà, c'est la plus longue des deux dans mes souvenirs. Et puis voilà, on l'a fait d'un coup comme ça pour on est tranquille. Mais il me semble qu'on doit retourner de façon rare parce que c'est dans la deuxième entrée qu'il y aura un singe secret à la fin du jeu. Oh là, tombe pas là, si. Oh, j'ai eu peur. Non mais je suis sérieux. Hein. Oh, la belle noire. Ou marron, ou ce que vous voulez. Ah, vous voyez qu'ils mettent de temps en temps. Bon, même si là, en l'occurrence, ça servait à rien. Merci, les potiers. On en reparlera un jour. Un jour. Punt. Ouh, et voilà, j'ai les derniers singes du niveau. Curley. Oh, ça fait du bien. On va voir tous les singes, hein. Rien d'autre. Top banane. Oh, tu voulais pas nous le faire, c'est ça, hein. Tu faisais ça pour me casser, hein. Salope. Oh, un singe. Alors, bah, singe blanc. Oh, j'aime bien ce boss, il est space. J'aime bien les boss de space. Je baille. Alors qu'il est 18h20. Vraiment très marin. Mon sérieux. Mais avant que je ne venge mes copains, je vais devoir emprunter le petit singe que tu as avec toi. Dans ton cul. Fais pas ta mauvaise tête, donne-le moi. Oh, c'est hors de question. Bande de rats solos. C'est qui, hein? Je n'ai d'autre choix que... Que diable se passe-t-il? Mais... Oh la vieille faim. Ici, Minus. Ce petit singe est tellement proche de toi qu'il devrait nous en apprendre beaucoup sur les humains. On va donc en avoir besoin quelqu'un. Reviens, ne fais pas de mal à notre Pipochi. Prends-le-moi. Au viol. Comme ça, tu as réussi à Morpion. Je suis le singe blanc des cinq cinglés. J'ai un talent incroyable. Ouais, il a créé un robot de nous. Il te faudra d'abord battre le méca Ikaru que l'on a construit d'après tes données. Je suis si rusé. Je suis si... Où il est ce bouton? Ah, le voilà. Et voilà, maintenant on se bat contre un robot de nous-mêmes. Oula. Donc il est pas difficile à battre du tout, il lui tire dessus, on évite tout et puis basta. Il suffit juste de lui taper dans le dos, hein. Et ensuite ça désactive le bouclier sur le... Pousse-toi toi. Sur le truc volant du singe blanc. Putain, j'ai pas la raté tout le temps, non. T'es pas sérieux là. Oh là là, j'ai vraiment perdu l'habitude parce que... Donc il est vraiment simple à éviter, hein. Vous voyez qu'il a les mêmes gadgets que nous, j'arrive à le prononcer, merci. Oh mais... Voilà, tu fais moi le malin maintenant. Voilà. Oh, heureusement que j'ai sauté parce que sinon je crois que je me serais pris. Parce que j'étais tellement près de lui que voilà quoi. Viens là le robot. Alors tu te fais sodomiser, hein. C'est qui le plus fort maintenant? Bon, on va pas faire ça tout le temps non plus. Parce que c'est pas non plus très... Très hygiénique de sodomiser un robot. Et blanc.
Bon, tu peux attaquer s'il te plaît. Merci. Béa. Oh la gueule qu'il a tiré le singe blanc, je l'avais jamais remarqué. Attendez, il est où là? Voilà, je vais te demander. Oh putain de merde, voilà, oh, c'est bon, c'est réglé. Il y avait un bug chelou, j'étais bloqué dans le robot. Donc là, il fait que tourner autour du terrain, hein. c'est pas dur à éviter. Voilà, forcément, à la fin, il est étourdi. C'est ballot. Allez, enculé. Tiens, voilà. Oula, oula, du calme. J'aime bien cette attaque parce qu'elle est super simple à éviter. Et à chaque fois après, il a mal à la gorge. Attendez, où est-ce qu'il... Voilà. Il est pas mort là. Putain, il a résistance son truc. Oula, merci la caméra. Ah si. Bon, le dernier coup c'était le plus simple à donner. Généralement c'est plutôt l'inverse, c'est le plus dur le dernier coup. Donc voilà, son robot pète comme une merde. Ta victoire est inutile. Inutile, tu m'entends? Il est trop tard. Il ne nous reste plus qu'à transférer les données humaines du petit singe dans le laser léthargique. Le laser léthargique? Le laser léthargique. Une nouvelle marque pour vos pains moussants. Donc voilà, maintenant on a le singe jaune à notre portée. Oui! Oh oui! Mais toi, mes pieds, pauvre sous-fifre! Tu fais moi le malin, hein? C'est qui le patron maintenant? Eh ben c'est moi! Voilà! Bon, on obtient le singe blanc qui était pas dur à attraper comme vous l'avez remarqué. Et on nous a grugé Pipochi, bande de gros connards. Bon, on le retrouvera plus tard, vous en faites pas. Icarou, ramène Pipochi aussi vite que possible. Mais elle, c'est une putain de zoophile. C'est toujours la première à s'inquiéter pour le petit singe, là. Oh là là, Pipochi! Le laser léthargique est une invention terrible. Non, je remarque ça, Mario. On doit arrêter Spectre. Arrêter Spectre. Donc voilà, on en est à 18 minutes. Le prochain niveau, ce sera Hello Pirate. Ah, dans ce niveau, il est sympa. Ouais, j'ai hâte de le faire. Enfin, j'ai de bons souvenirs de ce niveau, mais sans plus. Quoi. Donc, voilà. Donc, on va s'arrêter ici. Un peu comme à chaque fin de vidéo, j'ai envie de dire. Donc je fais sauver, mais d'abord ma partie à 100%, forcément. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Bon, attends de faire le con, on va sauvegarder. Et voilà. Donc voilà la petite sauvegarde. Donc sur ce, maintenant je peux vous dire au revoir et à la prochaine pour la prochaine vidéo qui se trouvera sur l'île aux pirates. Voilà, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine. Hasta la vista.